doublement schizophrénique, aux portes de l'état clinique. Il cohabite en moi deux êtres qui se provoquent et se détestent. D'un côté il y a cet artiste, ce soi-disant équilibriste. De l'autre il y a ce conformiste à qui le premier ne résiste. Écrit des mélodies, donne des couleurs à sa vie, privilégie l'instant présent, à genoux face aux sentiments. L'autre moi est bien plus sournois, il prémédite, il entrevoit. L'ambition qu'il traîne à ses pieds a bousillé plus d'un plancher. L'artiste lui est un peu naïf, maladroit voire un peu craintif. C'est un rêveur un peu bizarre qui va de brouillon en brouillard. L'autre moi est calculateur, cousin germain d'un emmerdeur. Il excelle dans l'esprit critique, c'est insuffisant, pathétique. C'est un mari fidèle, sensible comme une demoiselle. Il allonge les ritournelles pour toucher les yeux de sa belle. L'autre moi est bien plus pervers, quelquefois obscène et vulgaire. Dénué de morale et de style, tendancieux, vicieux, parfois vil. Y a-t-il forcément un vainqueur, dominé et dominateur? Peut-être que, peut-être pas, si l'on s'y repenche par deux fois. L'un ne peut se passer de l'autre, aucun ne doit porter la faute. C'est la complémentarité qui permet aux deux d'exister. Accepter nos contradictions, nos antipodes à l'unisson. Chacun doit livrer ses duels, c'est le dilemme universel.